Une erreur d'inattention peut parfois coûter cher. Cet automobiliste britannique en a fait les frais. Il y a l'inattention et il y a la vitesse. Dans le cas qui nous intéresse, les deux sont réunis, provoquant cet accident pour le moins spectaculaire. Un accident spectaculaire filmé en Grande-Bretagne, c'est un jour on ne peut plus normal en Grande-Bretagne. Le 1er septembre dernier, la circulation routière bat son plein, comme à l'accoutumée. Plusieurs automobilistes circulent sur l'autoroute A11 qui mène à un rond-point de la ville britannique de Norfolk. L'une des voitures filme la route. On voit progressivement les voitures ralentir et l'on en déduit qu'un obstacle se présente sur l'autoroute. Il s'agit en fait d'un rond-point. Dans ce cas, il est logique de ralentir. Mais pas pour la petite camionnette grise que l'on voit apparaître sur l'écran de la caméra. Celle-ci s'insère entre deux voitures, à pleine vitesse, effectuant au passage une jolie queue de poisson à la voiture dans laquelle se trouve le passager qui filme la scène. Vole au-dessus d'un rond-point le conducteur imprudent, lancé à pleine vitesse. N'avait sans doute pas saisi la cause du ralentissement et pénètre dans le rond-point à une allure beaucoup trop élevée. Évidemment, à cette vitesse-là, il est trop tard pour ralentir ou engager un virage, même serré. La voiture vient donc percuter le rond-point, s'ensuit alors un impressionnant vol plané. On ne voit pas la voiture en cause atterrir, étant donné que le véhicule qui filme la scène s'engage à son tour dans le rond-point, avant de continuer tranquillement sa route. Selon les informations dévoilées sur YouTube, 3 personnes auraient été blessées dans cette belle cascade et conduites illico à l'hôpital.